Mélissa, vous pouvez vous asseoir. Remercions le Seigneur pour cette occasion qu'il nous accorde encore d'être dans sa maison et de parler de sa part. Apparemment, tout le monde apparaît beau à cause de rideaux. Ça nous a tous embellis, n'est-ce pas? Ce n'est pas fini, nous devons encore faire de grandes choses pour la gloire du Seigneur. Que Dieu continue à bénir le frère qui a fait ses gestes. C'est un seul frère qui a fait ses gestes de rideau. Nous avons encore beaucoup de choses. Que Dieu le bénisse richement. Amen, amen. Et priez beaucoup pour lui, pour qu'il récupère ce qu'il a perdu. Et nous savons tous, frère Branham dit que Dieu ne reste avec la dette de personne. Dieu vous bénisse une fois de plus. Amen. Que Dieu bénisse ses serviteurs, les administrateurs, que Dieu vous bénisse, le diacre également, et nos musiciens, nos chantres, pas nos chantres, mais les chantres de Branham. Amen. Que Dieu les bénisse richement. On m'a dit qu'il y a un grand qui fête son anniversaire encore aujourd'hui, qui a grandi. Continue à grandir, c'est le frère, le ministre Daniel. Est-ce qu'on peut prier pour lui? Ok, applaudissons le Seigneur, c'est son anniversaire aujourd'hui. Nous pouvons le tenir debout. Nous allons remercier le Seigneur pour cette grâce qu'il a accordée à notre bien-aimé qui est né. Un certain X, aujourd'hui c'est quelle date? Le 17 mai 1900 XX. Et que Dieu le bénisse, qu'il soit une bénédiction aussi pour son peuple dans ce chemin épineux de la parole du royaume. Prions le Seigneur. Seigneur, c'est un privilège pour nous de prier pour ton serviteur que tu as gardé pendant autant d'années. Tu lui as été certes favorable parce que tu l'as préservé contre les attaques, diverses attaques du diable, de maladies, des épidémies qui ont frappé cette terre. Il est resté vivant. Nous te disons merci pour cela. Et en reconnaissance à cela, Seigneur, nous te louons et nous te glorifions. Et nous te demandons de l'assister encore, de le préserver, de le protéger. Ton royaume a besoin de piliers et de ministères qui vont défendre cette parole sans relâche. Ainsi, Père, permets qu'il soit parmi ceux-là. Bénis-le et que tous les dangers, le piège du diable qu'il passera au-devant de lui, soient un échec. On a William Alomana. Ces jours, Seigneur, nous prions pour la réconsécration de ton serviteur Daniel, en ton nom, William Alomana, le Seigneur éternel. Amen. Que Dieu bénisse notre sœur Esaïe, que je vois dans l'église. Ça va, mes ma sœur? Il était malade. Le pasteur Jean-Michel aussi était très très gravement malade, mais il est à la maison ce matin. Depuis ce matin, ok, il va bien. Continuez à prier pour lui. Il est en train de subir certaines attaques. Je crois que pour le reste, Dieu vous bénisse vous tous. Amen. Nous pouvons nous tenir debout. Nous allons lire dans Matthieu 6, 33. Et nous lirons encore dans Matthieu
6, 9 à 10. Et puis, nous lirons Genèse 1, 1 à 3. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, 9 à 10. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et puis, Genèse 1, 1 à 3. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Nous nous inclinons pour un petit mot de prière. Mets mon âme en feu, Seigneur. Mets mon âme en feu. En feu pour l'amour de Dana. Mets mon âme en feu. Consolidation dans la foi. Bénis ton peuple, bénis chaque sœur et chaque frère. Permets que pendant que nous sommes en train de dispenser la parole, que le malade soit guéri et que les problèmes soient résolus. Que ceux qui sont dans les liens soient libres à cause de ta présence. William Ayongana, le signe éternel. Amen. Dieu vous bénisse. Oui, notre sujet, c'est le royaume Ghana. On pourra encore dire le royaume des cieux. C'est la même chose. C'est un sujet que je voulais apporter rapidement. Mais quand j'ai commencé à étudier ce sujet, j'ai constaté qu'il est vaste. C'est presque, donc c'est un thème. Et il pourra prendre beaucoup de temps. Et comme on ne saura pas prendre beaucoup de temps, on va apporter cela par intermittence. Lorsque on prend un certain nombre de temps, on s'arrête, il y a des ministres qui parlent et puis on revient. Je me suis même dit, mais pourquoi j'ai choisi ce sujet? J'ai constaté effectivement qu'il est très, très vaste. Et comme nous avons l'habitude de vouloir tout dire, lorsque nous touchons un sujet, cela devient élastique, cela s'étire. En étudiant, nous voyons que ça s'étire toujours. Alors, je crois que vous êtes prêts pour que nous puissions commencer ce sujet, ce thème, le royaume
Branham, un royaume suppose la présence d'un roi, et le roi a des sujets, des gens qui lui obéissent suivant certains principes et certaines règles. C'est là où nous allons aboutir. Donc, dans un royaume, on ne vit pas comme dans la jungle. Dans un royaume, on suit des principes préétablis. C'est comme dans un pays, il y a une constitution et chaque citoyen honnête et normal et sincère du pays doit suivre ça. Et si nous sommes dans un royaume qu'on appelle le royaume des cieux, royaume de Dieu ou royaume Branham, est-ce que nous avons des vrais citoyens ou concitoyens du royaume qui vivent selon ces principes? Alors, pour parler du royaume, nous avons voulu traverser toute la Bible. Depuis Genèse, on va traverser la Bible, faire un long voyage, voir comment est-ce que Dieu a commencé à traiter avec les gens, comment il a commencé à créer les nations, comment est-ce que Dieu a créé même nos nations ici que nous avons actuellement et pour quel objectif. Nous allons étudier ça depuis la Genèse et jusqu'à la fin, et nous allons voir pourquoi est-ce que le royaume Branham doit être établi sur la terre. Et comment est-ce que nous sommes les sujets de ce royaume? Et quel est l'objectif de ce royaume? Est-ce que c'est venir tel que nous venons ce matin, s'asseoir et écouter la parole? Ou il y a réellement un objectif? Est-ce qu'il y a un but poursuivi? Nous allons étudier ça avec le Seigneur. Ça, nous allons donc tomber dans ça. Nous verrons que dans le royaume de Dieu, il y a des lois. Il y a la manière de parler. Il y a la manière de vivre. Il y a la manière d'être. C'est pourquoi le septième sceau nous a révélé qui est Dieu, sa nature. Cette révélation est une prédication. Sa nature, là, c'est une prédication pour que nous puissions vivre une certaine manière. Et j'ai écouté un chant merveilleux, Gog et Magog, où il y a des gens qui peuvent être dans le royaume, de mauvais citoyens dans un pays, comme dans le royaume, ils ne sont pas bénéfiques, ils agissent pour la destruction de ce royaume. Alors, pour parler du royaume, Dieu a commencé par créer. Nous avons lu dans Genèse 1 à 3, la terre était informe et vide. Frère Branham dit, quand Dieu voulait créer cette terre, et cette terre existait. Première version dit que Dieu créa les cieux et la terre. Mais Frère Branham dit que cette terre était loin du soleil, loin de la lumière. Et c'est pourquoi on dit que la terre était informe et vide. Lorsqu'on dit informe, c'est manquer de forme. C'est un désordre. Donc il y avait un désordre. Et Frère Branham dit, lorsqu'il dit que la terre était informe et vide, il dit que cela signifie un terme, un chaos. C'était donc un chaos total sur la face de la terre. Et il n'y avait pas de vie. Il n'y avait pas de forme de vie. Frère Branham dit que c'était loin, très loin de la vie. C'était informe et vide. Et il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. L'abîme. C'est un grand trou sans fin et où il y a des flammes, c'est comme de volcans. Et il y avait les ténèbres. Et Dieu voulait maintenant transformer cet Éden, ce chaos en un Éden de Dieu. Amen. C'était un chaos. Mais le grand être était là, Elohim, et il regardait ça. La Bible continue en disant il y avait les ténèbres à la surface de la Bible. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Et l'être suprême était là. Là, vous et moi, nous étions dans sa pensée. Mais grâce à Dieu, nous avons eu l'autorité ou la grâce d'avoir un prophète qui peut nous ramener avant le commencement et nous détailler ces choses. N'êtes-vous pas heureux d'apprendre ces choses? Et l'être suprême était là en train de voir ces chaos. C'était des cendres volcaniques. C'était le chaos total.
Et Dieu, qui a le pouvoir de la transformation, devait prendre ce chaos et le transformer en un éternel. Donner la forme à ce qui était informe. Et comme il était aussi vide, mettre des habitants dessus. La terre était informe et vide. Pas d'habitants. Autrement dit, pas de vie. Mais regardez Dieu qui a toujours voulu transformer. Amen, amen. Et ta vie mettre dans un chaos. Je te rappelle ce matin qu'il y a un Dieu qui a le pouvoir de transformer. Il peut prendre ta vie. Amen. Dieu ne peut pas te conduire dans le noir et dans les ténèbres. Dieu, là où il vient, c'est pour mettre l'ordre. Donc, une vie de cochon et d'esprit dans la famille Branham. Une vie de désordre ne peut pas être. Parce que quand Dieu vient, il prend ce qui est fort, il donne une forme. Et là où il y a le vide, il remplit. Amen. Amen. Et quand la terre était informe et vide, on ne sait pas s'imaginer comment c'était, mes bien-aimés frères. Frère, nous allons lire. Frère Branham dit maintenant, écoutez, Dieu dit que la lumière soit. C'est la première parole parlée. Et cette lumière n'était rien d'autre que la révélation de la parole. Parce que le soleil est venu plus tard, au quatrième jour. Ce n'était pas la lumière du soleil. Cette lumière, c'était la révélation de la parole parlée de Dieu. Que la lumière soit. Pour que le chaos quitte ta vie, il faut la parole. Amen. Que la lumière soit. Lisons, frère Branham. Nous sommes en train de lire dans la puissance de Dieu pour transformer. Nous sommes, il a prêché ça le 11 septembre 65. Nous sommes au paragraphe 21. Eh bien, ces mots, transformés. Je consultais les dictionnaires hier. J'ai pratiquement oublié l'heure à laquelle je devais être ici. Alors que je cherchais un texte. Et j'ai trouvé ces mots, ou ce texte, ou plutôt cette écriture. Et les dictionnaires disent que c'est quelque chose qui a changé. Ça doit changer. C'est transformé. Rendu différent de ce que c'était. Ça a été. Son caractère et tout ont été changés en soi, transformés. Je méditais ce matin sur Genèse 1. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres sur la terre, rien que le chaos total. La question que nous allons poser ce matin. Le chaos là provenait d'où? Comment il y avait le chaos? Parce que Dieu était déjà là. Comment il y avait le chaos? Nous allons étudier ça avec les prophètes. Il y avait un chaos. Et lorsqu'on parle du chaos, donc il y avait une destruction. Il y avait une destruction. Écoutez, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la terre. Rien que le chaos total. Et pendant que le monde était dans cette condition, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de eux et tous les tableaux ont été changés. Amen. Amen. Et tous les tableaux ont été changés. Oh, quand Dieu vient, quand on était dans le désert, exode, on chantait, quand Jésus vient, tout change. Quand Branham vient, tout change. Le caractère, tout doit changer. Amen. On ne peut pas avoir de voyous dans le royaume. Non. Quelqu'un qui rencontre Dieu ne peut pas être un voyou, n'est-ce pas? Oui, oui. Il doit être respectueux de son voisin, de même sa nation. Oui, oui. Un enfant de Dieu ne peut pas être un opposant radical. Non. Je ne crois pas à ces choses-là. Il est quelqu'un qui est dans le principe. On ne peut pas te voir avec des banderoles. La parole te donne une certaine nature. C'est la vérité. Et du chaos, tu avais une mission. C'est quand tu arrives dans une maison où tout est en désordre, c'est un chaos.
tu voudras mettre de l'ordre. Amen. Et le tableau a été changé d'un chaos total en un Éden. Ce chaos était provoqué par quoi, frère Banane? Lisons le sceau de Dieu. Prêchez le 16 février 61. Nous sommes au paragraphe 19. Je crois dans l'évolution. La première chose, peut-être, c'est quand il n'y avait qu'un chaos total, virgule, des éruptions volcaniques. Vous avez déjà vu le volcan? C'était ça le chaos, le feu. Des cendres volcaniques. Est-ce que tu peux vivre dans le volcan de Goma? C'est difficile. Voilà les chaos. Des explosions. Des éruptions volcaniques. Et les grands êtres suprêmes, le grand logos, était là. Amen. Amen. Et il y avait les ténèbres. Frère Branham dit, écoutez, continuons la lecture. Vous savez, Dieu est un grand entrepreneur. Croyez-vous cela? Un grand entrepreneur apprête toujours tous ses matériaux quand il construit sa subdivision. Dieu, quand il déplaçait la terre, créant le calcium, la potasse, le pétrole, ainsi de suite, il plaçait nos corps juste en ce moment-là dans la terre. La matière dont nous sommes constitués. Est-ce que le corps d'Abraham était aussi placé en ce moment-là? C'est une question. Si il est né virginalement, son corps a été créé en 1900. C'est un corps plus jeune que le mien. Or, lui, il est l'ancien d'un jour. C'est que son corps était aussi là. Il fallait que le corps suive un processus pour venir naître en 1909. Si vous le créez en 1909, il est créé là. Le corps est créé. L'immaculée conception est une création. Frère Branham dit, Dieu a créé la cellule de vie dans Marie. Mais Frère Branham dit, mon corps était ici, il dit, mon corps, depuis la fondation du monde. Et ce corps, par un mystère, a traversé les âges pour ressortir en ce temps. Voilà pourquoi nous disons, immaculée conception, oui, il est immaculée conception, parce que ça signifie le saint. Immaculée signifie parfait. Mais ce n'est pas la naissance virginale. Amen. Nos corps, il dit que le glorieux Saint-Esprit est sorti de Dieu pour couver la terre, ou plutôt recouler. Faisant la cour comme une poule, le fait avec sa couvée. Et son... Imaginons qu'il y ait des ailes. Il n'en avait pas. Mais imaginons qu'il y ait des ailes comme une poule au-dessus de sa couvée. Il commence à couver la terre. Il peut voir apparaître du calcium. Il se déverse sur un petit endroit, se mélangeant avec un peu d'humidité et de potasse. Et une petite fleur de Pâques est apparue. Et je peux l'entendre dire, approche père et regarde ici. C'est très bien, continue à couver. Ça c'est Elohim qui parle au logos. Mais ils sont un. Peu après, il couvre un peu plus. Ce qui est apparu ensuite, c'était peut-être des fleurs. Et la végétation. Et les oiseaux se sont envolés de la poussière de la terre. Et puis est apparue la vie animale. Et constamment, cela donnait une vie supérieure. Supérieure, supérieure, jusqu'à ce que finalement, un homme est apparu. Voilà la transformation. Le logos en train de transformer. Est-il le même, bien-aimé? As-tu rencontré le logos? Es-tu le même depuis que tu l'as rencontré? C'est une question à laquelle chacun doit répondre. Depuis que tu as rencontré Branham, es-tu le même? Il n'a pas le pouvoir de transformer. Si tu étais fumeur, tu es toujours fumeur. Si tu étais ivrogne, tu es toujours ivrogne. Et si tu courais derrière les jupons, tu continues à le faire. Mais écoutez, mes frères, qui est ce logos qui t'a visité? Lui, il vient prendre le chaos. Il le transforme en un Éden. Une vie désordonnée, informe. Il donne sa informe. Frère, le plus grand miracle,
c'est de voir une prostituée qui fumait dans le bar et sortir de bar et devenir une dame, une épouse honorable. Et comment tu peux rencontrer Dieu et demeurer dans une vie sale? Ça n'existe pas. Ou Dieu n'est pas Dieu. Il est le même, la même vie de transformation. Pour un royaume saint. Pour une vie saine. Nous sommes un peuple à part. Dans le quartier, tu es comment? Avec les voisins, quels sont leurs témoignages? À l'école, à l'université, au travail, tu fais de fausses factures avec les autres. Est-ce que tu as rencontré le logos qui recoule? Qui recoule, transformant ta vie, qui amène la vie de Dieu. Amen. Mais la frère a dit, c'est un chaos, une destruction. Les ténèbres couvraient la face de l'abîme. Et quand il y a les ténèbres, est-ce qu'on peut mettre l'ordre? Non. Nous avons notre vieille société, la Société Nationale d'Électricité. Vous connaissez le système de délestage. Quand le courant part, vous êtes là déjà, vous voulez faire... D'ailleurs, moi et mon épouse, on a remarqué une chose. C'est lorsque seulement nous voulons faire quelque chose qui coupe. Ma femme me dit, est-ce que vraiment on a quatre? Je dis, je ne sais pas moi non plus. Quand nous sommes là, on est dans le noir, on dit, bon, tout ça, quand vous voulez seulement allumer, oh, courez, partout. C'est bon. Vous ne pouvez plus rien faire. Vous ne pouvez pas ordonner la maison dans les noirs. Voilà pourquoi Dieu devait dire, quelle lumière? Il faut d'abord allumer la lumière. Que la lumière soit pour que la terre qui était informe soit ordonnée. Que Dieu y mette de l'ordre. Mes frères, Dieu, la Bible même le dit, est un Dieu d'ordre. Et frère Branham dit qu'on ne vous trompe pas. Ne dis pas parce que je confesse Branham, Dieu, je suis sauvé. Mais tu mènes une vie de cochon. Je suis désolé. Qu'on ne vous trompe pas. Dieu est un Dieu d'ordre. Vraiment, c'est par votre vie qu'on saura qui vous êtes. Amen. Quelle vie tu mènes? Avec tes concubines. Quelle vie tu mènes? Avec la boisson. Frère Branham dit, pourquoi c'est chaos? Pourquoi il y avait le chaos? Pourquoi il y avait le chaos? Mais écoutez, toutes les semences étaient déjà dans la terre. La terre a été créée avant au chapitre 1. On n'a pas parlé de ce qui s'est passé au récemment, mais là il est devenu informe. Premier, Dieu créa le ciel. Quand il a créé, c'était déjà informe. Non, c'était bien. Tu veux très bien. Mais on a caché quelque chose. Directement au chapitre 2, on retrouve ce que Dieu a créé, devenu informe. Qu'est-ce qui s'est passé? Frère Branham, dans le 4e saut dit, au 92, 93, 4e saut, il n'y a pas longtemps, j'ai parlé à quelqu'un qui essayait d'argumenter avec moi en disant, vous n'avez pas honte de dire que Dieu a créé le ciel et la terre en 3 jours ou en 6 jours. J'ai dit, c'est ce que la Bible dit. Il a dit, eh bien, on a des preuves, et ça c'est vrai, qui démontrent que le monde existe 2 millions d'années. C'est vrai. Je dis, ça n'a rien à voir. Dans Genèse 1, il est dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Point, c'est tout, vous voyez. Or, la terre était informe et vide. Je dis, je crois que toutes les semences, pour nous, écoutez-vous, vous, moi, qu'est-ce que vous aimez encore? Ngaï, ngaï. Toutes les semences étaient déjà là. Vraiment. Hein? Tout était là. Déjà. Écoutez, vestige d'une autre civilisation. Amen.
Vestiges sont le reste. Ah, donc dans Genèse, là où nous sommes dans Genèse 2, avant Genèse 2, il y avait une civilisation. Mais elle n'était pas une civilisation humaine, parce que l'homme est créé en Genèse. Amen. C'était une autre civilisation. Et la science parle des dinosaures. Vous êtes avec moi? L'homme n'était pas là, mais une civilisation. Frère Branham dit, une des vestiges d'une autre civilisation ou quelque chose. Cette civilisation n'a pas suivi la parole de Dieu. Cette civilisation, Dieu est un Dieu juste. Cette civilisation a eu certainement à faire des bêtises. Et Dieu a pris la terre, l'a ôté de son orbite et l'a détruite. Et c'est ça le chaos. Une civilisation, non pas des hommes, mais une autre civilisation. Avant la création d'Adam, la formation d'Adam. Ah, frère Branham était terrible. Vestige d'une autre civilisation. Alors, c'est ces gens-là qui mangeaient le pognon. Alors, quand ils sont morts, leur semence était restée. Ok, je peux seulement faire sortir comme ça je suis à l'aise, n'est-ce pas? Leur semence était restée. Ces semences-là, c'est ce que nous avons aujourd'hui. Dieu n'a pas commencé à mettre les semences dans Genèse 1. C'était déjà là. Mais à cause du comportement de cette civilisation, comme Sodome et Gomorrhe, et le même sang attend cette terre. Oui, oui. Frère Branham dit, si Dieu ne le fait pas, il va ressusciter Sodome et Gomorrhe. Cette terre, l'homme est fou, orgueilleux. Il marche sur quelque chose sans même comprendre. Nous sommes suspendus dans un vaste univers. Tu ne comprends rien. Et la terre est en train de faire deux mouvements, rotation et translation. Et tu ne comprends pas et tu dis, je suis le grand. C'est moi. C'est moi qui ai créé la terre. Toi qui as créé la terre. Et la folie, ils font n'importe quoi. Les armes nucléaires. Les armes chimiques. Le péché, l'homosexualité, la même civilisation, la première qui a été détruite. Frère Branham dit, nous arrivons vers 5 ans. Il dit, je vois ces globes. Il dit, je le vois quitter son orbite dans une grande vitesse, comme un ballon qu'on a troué et qui perd de l'air. Il dit, c'est rapprocher plus du soleil. Et cela a brûlé tout. Il dit, je regarde sur la terre et je n'ai vu aucune forme de vie. Et il regarde Branham Tabernacle, il dit, Branham Tabernacle, je vois certains de vos pierres tomber. C'est pourquoi on dit retour au commencement. Il y a un recommencement. La nouvelle création. Et écoutez, cette création de la Genèse, par rapport à la vieille civilisation, était une nouvelle création. Amen. C'était le Dieu qui était riche en miséricorde, qui venait encore après un jugement, ramener la vie à la terre. Une nouvelle création. Et cette terre qui était en forme vide, était couverte loin de la lumière de Dieu. Il y avait un capuchon au-dessus de cette terre. Le ténèbre. Et le soleil n'avait pas touché ça. La lumière, dont Dieu a dit que la lumière soit, n'était pas encore là. Et c'était une terre forme et vide. Amen. Amen. Et cette terre, Dieu a dit, je vais donner la vie. Dieu qui est riche en miséricorde. Est-ce que vous n'aimez pas ça? Amen. Dieu riche. Amen. Chaque fois que tu tombes malade, tu es guéri, dis merci Seigneur riche
Il a dit, je dois. Et maintenant, il a commencé le premier jour que nous avons vu là. Deuxième jour, vous voyez, ça commence avec une lumière. Une lumière qui s'allume. Amen. Une lumière qui amène la vie. Une lumière, je dis que ce n'est pas comme la lumière de ces ampoules. C'est la révélation de la... C'est la parole rendue, hein? Amen. Et nous marchons dans la lumière. Amen. Nous marchons dans la lumière. Amen. C'est cela. Et dans Genèse 1, 26, 28, la Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, hein, dominer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et Dieu créa l'homme. Dans la première civilisation, n'avait pas l'homme. Vous voyez, c'est ici qu'on crée l'homme. D'accord? Il est créé à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. C'est la commission. Soyez quoi? Multipliez. Deuxième point. Soyez féconds. Multipliez. Remplissez. Parce que la terre était vide, n'est-ce pas? Remplissez la terre. Et non seulement ça, assujettissez. Frère Valam dit, c'est une commission éternelle. Quoi? Soyez féconds. C'est un ordre. Sinon, le figuier qui ne porte pas de fruits doit être coupé. C'est un ordre. Multipliez. Même si vous dites qu'il est multiplicateur, il est multiplicateur, c'est le diable. Non, c'est la commission qui dit multiplier. Il n'a pas dit créer. Multipliez. D'accord? Remplissez la terre. On doit remplir. Et assujettissez, dominez. L'homme doit dominer son environnement. L'homme, c'est l'être qui est doté de l'âme plus que les animaux. Ce sont les animaux qui, lorsque vous les mettez dans n'importe quelle condition, vous trouverez les mêmes conditions. La sanité, le poubelle, tout ça. Ils vont attendre que le gouvernement vienne faire. Mais l'homme a reçu cette autorité de Dieu d'assujettir son milieu. Mes frères, on ne doit pas... Ça, c'est la morale, non? Oui. Voyez une avenue où il y a des immondices. Chaque jour, les gens vont voir. Après, on fait... Kabila, ça va qu'il est au côté. C'est lui qui doit venir enlever ça. L'homme ne fait rien. Or, c'est la commission assujettie. Il continue, il dit dominer sur le poisson de la mer. Et ça, ce sont les qualités du royaume Rana. Nous sommes appelés, nous allons venir avec cette commission dans le royaume. Tu dois dominer. Tu dois assujettir. Tu dois remplir pour que la pierre devienne une grande montagne. Tu dois amener les naissances dans le royaume. Hein? Quand on dit multiplier, ce n'est pas seulement dans ton foyer. Billy Paul est allé vite, frère, on dit attention. Cette commission n'a pas été donnée à toi seul. Arrête un peu. Tu vas vivre comme ça, pourquoi? Oh, peut-être que moi, ils sont dans une manière de les morts pour ta président. Ce n'est pas ça. Dieu créa l'homme à son image, il créa l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et la sujettissez et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. La première donc commission donnée, c'était être fécond. Ça dit, vous connaissez la parabole des talents? Un homme riche donne des talents à ses travailleurs. Il donne 5 à 1, 4 à l'autre, etc. Il dit, quand je viendrai, je vais voir le fidèle économe. Celui qui va multiplier. Amen. Qui sera fécond, productif. Et il y a un barbare qui était là, qui a, au lieu d'aller multiplier, il a gardé son talent. Est-ce qu'ils sont là ce matin? Alors, il a gardé son talent. En gardant son talent, lorsque le roi vient, il arrive, il regarde,
Il dit, toi, avec ton talent, est-ce que tu as multiplié? Est-ce que tu as été fécond? Oui, tu m'as donné 2, j'en ai 4. Tu m'as donné 5, j'en ai 10. Un vient, il dit, bon, moi, je savais que toi, tu es vraiment trop méchant. Toi, tu récoltes sans s'aimer. Et je n'ai pas voulu avoir des problèmes avec toi. C'est comme ça que j'ai pris ton talent là. J'ai enfoncé ça, gardé ça dans la terre, dans mon corps, la terre. J'ai gardé ça et j'étais tranquille. Il dit, on va lui arracher ce don-là et le jeter dans les, là où il y aura le graissement dedans. Beaucoup ici étouffent leur talent pour le royaume Paname. Dans le royaume Paname, il n'y a pas de chômeur. Dans le royaume Paname, il n'y a pas de sans-emploi. C'est à tous multiplier. À tous, soyez féconds. Toi-même, tu seras, tu es fécond dans le royaume. Peut-être un nombre numérique. Tu mets beaucoup d'enfants au monde, bon. Sans évangélisation, tu le fais pour nous. Tu évangélises. Il y a croissance numérique. Naturelle. Ce n'est pas ça. La croissance dans la famille Branham, c'est prendre un pécheur du royaume ancien, l'amener dans le royaume. La vision, c'est que cette pierre doit devenir une grande montagne. Et c'est ça la fécondité dont il est question. Multipliez, remplissez dans cette vieille nouvelle création. Et nous allons voir comment Dieu allait maintenant pouvoir faire un roi. Ça, ce sont les principes du royaume. Il était en train de vouloir faire quoi? Un gloire à Dieu. Ce qui était un carreau est devenu un jardin. Des oiseaux commençaient à chanter. Qu'est-ce que c'est beau? Des palmiers commençaient à bouger au rythme du vent. Des crapauds commençaient à donner leur cri, à sautiller. Des colombes commençaient à roucouler. Frère Branham dit, j'aime entendre le bruit d'un crapaud que le rock and roll. Je préfère être dans le bois et entendre gros, 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 gros. Frère Branham dit, ça c'est bien. C'est la musique de votre wind. Hein? C'est la musique de Dieu. Ça c'est la bonne musique. Je sais, peut-être que Frère Branham peut même commencer à danser. Quand les gros, 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 gros. Mais c'est original. Amen, amen. Amen, amen. Le chaos est devenu un Éden magnifique. Et Dieu, parce que vous verrez, il n'y a pas de royaume sans étendue, sans pays. Il n'y a pas de nation sans terre. Hein? Les juristes connaissent mieux la différence entre un pays et une nation. Si je fais des bêtises en parlant, vous allez me corriger. Assujettissez, multipliez. Mais pour là, c'était quelle multiplication numérique? Il devait mettre au monde. Lisons quelque chose. La parole parlée et la sémence originelle. Parce que quand nous prêchons, nous voulons aussi répondre à quelques questions en suspens. 214. Parole parlée, la sémence originelle, du 18 mars 62 au matin. 214. Donc, ayant été prédestiné. Comme il a été, maintenant vous dites cette prédestination, comment s'opère-t-elle? Dieu formel. Bon, si ce n'est pas compromis, si ce n'est pas compris par tout le monde, alors je voudrais que vous leviez la main quand j'aurai terminé. Vous voyez? Dieu au commencement a donné à Adam et Ève la commission de multiplier et de remplir la terre. Écoutez, c'est ainsi que le sexe a été donné. C'est pour cette raison. Où est la doctrine de ne plus se marier? Dieu a donné la commission et il a pourvu d'un moyen. Il dit c'est pour ça que le sexe a été donné, c'est pour cette raison. Mais qu'est-ce qui a produit l'hybridation? Ah, ce n'est pas ce que ces gens-là disent qui a produit l'hybridation. C'est que Dieu a donné la disposition, la forme qu'il a donnée à l'homme. Et à la femme, c'était pour tout justement accomplir cette commission. Vous êtes avec moi? C'est pour cette raison. Mais l'hybridation et la mort est venue comment? Il continue.
apporter libération, amener la mort. Ça, nous allons aborder ça. Ça, cet après-midi, quand nous parlerons de deux saints. Voyez? Maintenant, remarquez. Or là, Dieu avait vu d'avance et prédestiné un monde de fils et de filles. Il les avait prédestinés à être là. Un monde, un royaume. Et à cause de l'hybridation, l'amour n'est venu par quoi? Nous allons voir ça, mes soeurs, surtout vous, écoutez très bien. L'incrédulité à l'égard de la parole de Dieu, c'est ce qui a produit l'hybridation. Ce n'est pas, oh non, vous savez, on m'a appelé, quelqu'un m'a dit, cette doctrine est allée en point noir. Il y avait, vous le connaissez, mon ami, l'homme en blanc, Jules. Il est allé là-bas, chez un pasteur en point noir. On doit plus, c'est le huitième jour, ne vous mariez plus. Ne vivez plus avec vos femmes. Ça, ce sont des volontés permissives. On arrête. Un pasteur a accepté la doctrine. C'est le pasteur Jean. Moi, Nzambi, quelque chose comme ça. Il a prêché sa doctrine dans l'église. Ils ont arrêté. Et plus de mariage. Quand vous vous mariez, vous êtes dans le deuxième exode. Ils ne se marient pas. Ils vivent. Mais quelques temps après, après quelques mois, on voit seulement des jeunes sœurs enceintes dans l'église. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé? Pasteur, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, ils ne sont pas vraiment convertis. Après, il revient à la charge, dernièrement. Il a divisé l'église de ses pasteurs. Il dit, vous avez arrêté de manger le fruit défendu, mais ce qui vous reste, vous devez chasser vos femmes. Ne vivez plus ensemble. Parce que vous serez dans lui. Les pasteurs avaient essayé, c'était loin maintenant. Oh. Oh. Non, il faut vraiment la renvoyer. Hein, vous voyez Gog et Magog? Vous devez la renvoyer. Il a résisté. Non, mais il y a un groupe de gens qui avaient fait confiance. Ils sont sortis. Ils sont non suivis. Ils ont renvoyé les femmes. Troisième testament. Et ils prêchent pour un âme Dieu. Qu'est-ce qui a produit l'hybridation? Parce que la commission était là de multiplier. C'est pour cette raison que Dieu a fait cette disposition. Qu'est-ce qui a produit la mort? Pourquoi est-ce que la mort est venue? Lisons encore. La parole parle de la sémence originelle. Nous sommes en train d'introduire le royaume. Nous sommes au soir maintenant. Deux. Parole parle de la sémence originelle. Deux. À partir de 75-76. Maintenant, remarquez ce qui est arrivé aux enfants d'Ève. Le premier qui est né. Or, si Dieu a dit multiplier à son épouse, à l'épouse d'Adam, et remplissez, multipliez, remplissez la terre, ça c'était la commission donnée par Dieu. Et elle aurait fait. Et il l'aurait fait en s'unissant. Hein? Il devait le faire comment? En s'unissant. Écoutez, donc ce n'est pas ça qui est le péché. Vous devez trouver maintenant le péché. Frère Barnabé, c'est l'hybridation. Écoutez. Il l'aurait fait en s'unissant. Mais, je dis à ce pasteur-là, je dis, pasteur, tu dois te réjouir. Si ton père avait cette doctrine, tu ne serais pas né. On n'aurait pas ce travail de discuter avec vous. Il m'a regardé, je dis, oui. Ton père devait croire ça. Tu ne serais pas ici. Et ça, c'était la commission donnée par Dieu. Et il l'aurait fait. Il l'aurait fait en s'unissant. Mais qu'est-ce qu'il passé? Voilà la question. Au moment où Adam allait venir vers elle, suivez très bien, elle était déjà mère. C'est quoi, mes chers soeurs? Ève n'a pas voulu attendre. Ève a reçu une mauvaise sémence en elle. Et cette sémence a
passer par là est directement maudit. Dieu n'aime pas le mélange. Caïn avait suivi la matrice d'Ève. Et tout enfant qui venait après était sous la malédiction du premier. Une sœur qui conçoit avant son mariage, c'est aussi un danger. Les enfants qui viennent après l'enfant du terrain sont condamnés. Amen. Voilà pourquoi le sœur, le jeune sœur, doit rester pure, vierge, jusqu'à leur mariage. Sinon, vous êtes en train de soumettre votre progéniture dans la malédiction. Et vraiment, lorsqu'un homme vient sur vous, il reste une trace sur vous. C'est cette trace qui est une malédiction. Amen. Il laisse une trace. Et quand le serpent est allé vers Ève, il a laissé quoi? Car Adam ne pouvait plus comprendre. Il dit, aucun homme ne pourra convenir. Si c'était Adam le premier, le péché et la mort ne seraient pas. Suivez-moi très bien. Mais comme c'est le diable, la fausseté qui est venue gâcher, et maintenant la chose était déjà maudite, essuyée. Tu mènes ta vie parce que tu es jeune fille. Tu fais ce que tu veux. Tu vas des voyous dans la cité, dans le royaume Brana. Et tu dis non, on ne saura pas. Je vais avorter. Mais tu as avorté, c'est un enfant. Et tes enfants qui viendront sont sous cette malédiction. Tu soumets toute la progéniture de ton prochain mari dans le mal. C'est pourquoi Frère Valam dit la femme est la cause de toute chute. Elle n'a pas voulu attendre son mari. Presser un voyou qui ne va même pas venir visiter tes parents. Un voyou qui ne sait même pas, jamais t'a dit n'a la cause de ça. Petit diable. Tu es celui-là que toi tu es ma soeur, ma soeur. Tu vois. Mais la parole de Dieu va déraciner, destiner ces choses. Amen. Amen. Un petit voyou à l'école, c'est le serpent. C'est ce serpent. Il vient avec un sourire endiablé. Ma soeur, un démon. Ma soeur, tu ne fais que pour une personne. C'est ton mari. Tu n'as pas à te dégrader avant le mariage. Ça, ce sont les principes du royaume, Branham. On n'aurait pas les difficultés de marier le ministre. Pourquoi Dieu des fois donne des lois difficiles? Il tient à ça. Ouais. Elle va hybrider cette fois. La commission était là. Frère Branham dit, elle devait attendre. Vous voyez ça? Quelle adultère! Même les femmes mariées qui tombent dans ça. Chez les musulmans, on te coupe la tête. Tu laisses ton mari et tu prends quelqu'un d'autre. Que ton mari soit géant, court, gros, c'est ton mari. Et tu laisses ton mari. Et tu dis, je suis dans le royaume Branham. La colère de Dieu se lèvera. Le royaume Branham, il y aura une purification. Amen. Tu restes ton mari, pourquoi? Tu cherches quoi? Dieu t'a donné un mari. C'est l'unique. J'ai toujours dit. Même quand ton mari meurt, je me remarie. Je ne suis pas congé, pas d'écriture. Ouais, ouais. Mais frère, madame a dit,
Quand il était au ciel, on l'appelle William Branham. Il avance. Il voit. Amen. D'accord, n'est-ce pas? Ah, c'était pas sur la terre, c'était là-bas. Pas sur la terre. Hein? Oh, polygamie, polygamie. C'était pas ici. Il dit que quand il a quitté cette dimension. D'accord? Maintenant, écoutez. Maintenant, tu vois. Maintenant, toi, tu as eu deux maris vivants. Quand on appelle Chibango, tu vois aussi. Et puis, t'as dit Ata. Tu feras quoi? Je ne sais pas. Hein? Bon, appelez ça un raisonnement, mettez ça entre parenthèses. Parce que Frère Branham dit, on l'a appelé William Marion, quand on appelle l'homme, la femme, hein? Maintenant, toi, tu as des hommes. Un qui est mort, tu attends comme remarié, tu as un deuxième. Maintenant, quand on appellera, les deux sont sauvés. Tu vas aller où? Ce n'est pas ça notre sujet. Il n'y a pas une citation qui vous est perdue, jeune soeur, quand vous êtes veuve. Ça, j'ai seulement dit. C'est parce qu'on réfléchit quand même. Hein? Ok. Vous allez faire quoi? Ça, c'était la condition donnée par Dieu. Elle l'aurait fait en s'unissant. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où Adam allait venir vers elle, elle était déjà mère. Vous voyez ce que je veux dire? Elle était déjà mère. Quelle gravité! Ton fiancé est en train d'observer la parole. Toi, la fiancée, tu la trompes. Tu le trompes. Lui, il suit le principe. C'est ce qu'Ève a fait. Et Dieu a maudit cela. Voilà ce qui a amené la mort. Tout enfant qui naîtrait après Caïn naîtrait dans la mort. Au fait, nous tous nous sommes impliqués dans la sémence du serpent. C'est là où Frère Branham donne une forte déclaration. Tout homme qui naît est né de l'union du serpent et de Ève. Hein? Je vous dis ça. Nous tous. Pourquoi vous avez l'union? Lui, il a dit. Cette voix. Vous voyez ce qu'elle va faire? La voix est essuyée. C'est tout. C'est fini. C'est Icaro. C'est pourquoi Frère Branham dit, une dénomination qui tombe, elle ne peut jamais. Et Ève était une dénomination. Et elle a représenté toutes les femmes. Et comme conséquence, tu ne seras plus égal. D'ailleurs, tu ne dois plus prêcher. Tu dois seulement écouter. Le mélange de sémences dans l'église Ève, dans la matrice de Ève, a produit la mort. Caïn a maudit la voix pourvue par Dieu. Lisons, la parole parlée. 2, 78. Remarquez, quand tu as cette épouse, alors qu'a-t-elle fait? Le premier enfant qu'elle a mis au monde, écoutez, c'était un enfant bâtard, écoutez. Il était rempli de la mort. Et il a causé la mort. Qui a? Voilà, la cause de la mort. Ce n'est pas le fait de s'unir. Ce n'est pas ça. Écoutez. Et tous les autres depuis, c'est la mort. Et tous les autres depuis, à cause du premier qui a suyé la mort. Maintenant, vous voyez forcément que c'était un rapport sexuel. Pourquoi êtes-vous en train de mourir si ce n'est pas un rapport sexuel? Alors que Dieu avait donné une commission qui ne peut pas périr. La parole de Dieu est éternelle, elle ne peut pas faillir. Quand il a dit multiplier, remplissez la terre, ça c'est le dessein éternel de Dieu. Pour exécuter ça, vous ne pouvez pas mourir. En effet, c'est sa parole. Vous ne pouvez pas faire autrement que de vivre. Écoutez, si cet enfant avait été produit comme il s'est devait, il n'y aurait
pas eu de mort. Amen. C'est ce qui amène la mort. On ne vous trompe pas. Amen. Et ailleurs, il dit l'hybridation a produit la mort. À partir de ce moment, écoutez-moi, Dieu commençait un peu à se retirer de l'homme parce qu'il a chassé Adam et Satan qui avait amené le chaos à l'autre civilisation prend encore la relève et commence à créer son Éden, l'Éden des saints. Vous êtes avec moi? Du chaos à l'Éden de Dieu. L'Éden de Dieu, l'homme vient. Une civilisation humaine. Alors que la première civilisation, on ne sait pas c'était quelle civilisation. Ici, nous sommes avec les hommes. Ils évoluent, ils font du mal. Dieu les chasse. Frère Branham dit, à ce moment-là, dès que Ève a écouté Satan, c'est Satan qui commençait à créer son Éden. Si Dieu crée son Éden par la formation, Satan crée son Éden par la déformation. Nous sommes dans la soif, lisons, la soif. 83. Dernièrement ici, je parlais de l'Éden de Satan. Dieu a mis Sinina pour faire un Éden parfait. Satan est arrivé, il a arrosé ses semences et il les a déformées. Ah. La terre était informe. Hein? Vous voyez que qui avait aussi amené l'informe là? Il recommence. Il l'a déformé. Mes frères, je réponds. Tu es dans le troisième dessin. Tu avais déjà des cheveux naturels. C'est tout ça. Très bien. Avec des signes naturels. Mais un jour, une mouche me pique. Je viens, je dis non, ça ne sert plus à rien. Mettez ce que vous voulez sur votre tête. Et vous le faites, mais vous suivez encore. Est-ce que ça, c'est une formation ou une déformation? Je dis indépendance. Bon, l'indépendance. J'ai vu des sœurs qui étaient naturelles. En un, deux, trois jours, n'a monné à bon courage, j'ai sa tête. Vraiment. C'est tout ça. Ça, c'est une formation, une déformation. Déformation. Amen, amen, amen. C'est tout ça. Votre beauté n'est que pour votre mari. Mais qu'est-ce que vous cherchez d'autre? Ah, si c'est votre mari qui fait ça, bon, d'accord. Mais frère Branham va dire votre mari est un poule mouillé. C'est frère Branham qui l'a dit, pas moi. C'est frère Branham qui l'a dit. Cherchez à être naturel, monsieur. Dans l'Éden de Dieu, nous arriverons. Dans le royaume Branham. L'Éden de Dieu, c'est l'ordre. Tu marches et ta démarche est saint, saint. Saint et William Marion Branham. Saint, Saint, Saint et William Marion Branham. L'Éden de Dieu. Voyons Branham. Satan ne fait que déformer. La Bible dit qu'il vient pour voler, détruire et tuer. C'est tout ce qu'il fait. Si tu vas chez un féticheur, un marabout, quand il te donne une solution à un petit problème, c'est ton enfant qui meurt. Je vous dis. Il fait ça et il fait, il prend ici des petits trucs de magie. Dieu, il n'y a pas quelqu'un qui est très moraliste plus que Dieu. Il n'y en a pas. Si Dieu même veut, si tu dis que je vais me couvrir toute la tête jusqu'au pied comme les musulmans de l'Arabie Saoudite et seulement trouver un trou au nez, je peux sortir le nez. Dieu sera d'accord. C'est comme ça que Dieu est. Mais quel est cet évangile qui va te conduire à te déshabiller, à te déformer, à commencer à te maquiller sournoisement? Vous pensez qu'ils n'auront pas de yeux? C'est pas faux.
Tu t'es maquillé pourquoi? Frère Branham dit, il n'y a qu'une sœur, une femme qui s'est maquillée. C'est Jézabel. Il ne faut pas te maquiller. Hé, pasteur, n'gambe bonangaye et pasukaka pasukaka. Non, c'est pas ça. C'est mon passé. Soyez les filles de Branham, mes sœurs. Soyez les fils de Branham. Vous pensez que Branham est content quand il nous voit comme ça? Non. Nous sommes dans un royaume où il y a une constitution, où il y a des principes. Amen. Il y a aussi une cour suprême. Amen. Et des tribunaux. Oui. Et les tribunaux, ce sont les chefs. Voilà du chaos. Dieu, par le pouvoir de la transformation, il fait un Éden. Satan vient avec un mensonge. Toujours le mensonge. Faites attention au mensonge. Ce n'est pas tout le monde qui dit Branham est Dieu qui est de Dieu. Pasteur Nevi, l'homme là qui a amené les gens au fleuve pour faire prier les gens avec le tapis rouge, il n'a pas cité Branham. Il cite Branham. Et quand il a cité Branham, c'est une femme ou un homme qui est sorti. N'importe qui, c'est là où je trouve, n'importe quel démon peut citer B-R-A-N-H-A-M. Mais ce qu'il ne pourra pas faire, c'est la vie. Le diable croit que Branham existe. Et il tremble. Et il monte à la chaîne, il les prêche. En déformant les écritures. En déformant. La déformation, c'est du diable. Dieu forme. Mais le diable déforme. Il prend une écriture, il tord le sens. Et il te donne ça. C'est la mort, c'est du poison, c'est de l'acide, et tu meurs. Et tu deviens un fanatique aveugle. Mon pasteur. Mais ton pasteur, il t'a tué. Il n'y a qu'un qui mérite l'Amérique ou l'honneur sur l'Ida Branham. Même si on a vous dit quelque chose de faux, rejetez ça et condamnez ça. Vous n'êtes pas obligé de croire, je ne suis pas votre Dieu. Vous allez croire pourquoi? Vous allez croire pourquoi? Voilà le diable. Écoutez. Aucun pasteur ne peut dominer le peuple. Aucun pasteur. Il n'y a que Dieu qui domine au travers du pasteur. C'est la parole qui doit dominer. Si je n'ai pas la parole, je ne sais pas ce que vous allez faire ici. Vous allez faire quoi ici? Il n'y a pas de parole. Ah, à terre, à bien. Au terre, à l'attaque. Ah. Vous allez faire quoi? Les gens sont devenus légers à leur salut. Il n'y a aucun pasteur qui t'a créé. Aucun. Même pas moi. Même pas moi, en fait. Moi, si j'avais créé, vous ne serez pas beau comme ça. Vous auriez peut-être la tête ici. Vous comprenez, il n'y a que Dieu qui forme, qui crée. Je suis derrière mon pasteur tant qu'il est derrière Branham. Satan déforme. Il rend les gens impolis. Il rend les gens malhonnêtes. Certains sont seulement honnêtes à l'église, mais au travail, ils sont malhonnêtes. Hein? Je vais un peu dire une chose pour les étudiants. Un Branham avec un syllabus caché en dessous. Les prophètes. En toi, il n'y a pas le Saint-Esprit. Le diable a
La vie de Dieu est partout la même. Échoue la gloire du Seigneur. Échoue. Quand tu fais ça, quand tu triches à l'école, tu crois que là, Branham dit non, on a compris. Pour Nawana, on a compris de hier. Pour ne pas tricher, étudie. Prends du temps. Même si tu ne vas pas venir le mercredi à l'église, tu te réponds, tu dis, je ne viens pas, pasteur, je vais étudier. C'est normal. Entre à la maison, étudie. Si tu ne comprends pas, appelle des gens qui comprennent. Venez m'expliquer. Tu réussiras. Pourquoi aller tricher? Pourquoi? Tu es une Branham. Tu es un Branham. Quand tu triches là, tu crois que Branham ne voit pas? Tu es dans quel royaume? Vous voyez, mes frères, nous tombons dans plusieurs petites choses. Dans plusieurs petites choses. Tricheur. Quand j'étudie encore, je dis un collègue pasteur, j'étudie avec lui. Je sors comme ça, on causait. Je vois sa main, il a écrit. Il a écrit des choses. Je vois. Oh, il a écrit des petites lettres. Et quand on entre dans la salle, je le vois. Il triche. C'est banal. Mes frères, Branham dit si seulement l'enfant, l'élève priait et disait Seigneur, aide-moi pendant cet examen. Frère Branham dit il réussit. Amen. La prière a beaucoup d'efficacité. Des combines, des petites manœuvres, des factures fausses, tout ça. Non, mes frères, le roi, nous allons voir ça. Le royaume Branham, c'est notre thème qui va prendre toute l'année. Je me repose, quelqu'un peut venir avec un autre thème, il n'y a pas de problème, mais je rentre toujours royaume Branham. Oui. Qu'est-ce qui te rend impoli? Tu ne respectes même pas les adultes. Tu es chauffeur, tu insultes les autres chauffeurs en cours de route. Toi, frère, Zola, il bouscule les gens. Mes frères, regardez mes frères, il y a beaucoup de choses. C'est pourquoi je voulais toucher le royaume Branham. Nous avons une manière de vivre, une manière de parler, une manière de travailler. Quand j'ai entendu la famille noble, j'ai dit quel beau sujet. Si c'était moi qui avais ça. Et puis quand j'ai entendu la prédication de Lévis, j'ai dit encore, ça m'a enrichi. Et j'ai dit, nous sommes coupables. Satan déforme. Tout ce qui est positif et bien, c'est Dieu. Tout ce qui est négatif, tricherie, vol, mauvaise habitude, habillement, mauvais, ça c'est le diable. Mais la frère Branham dit, cet Éden de Satan sera aussi détruit comme l'autre civilisation. Vous êtes avec moi? Amen. Qui a amené la terre dans un chaos. Il dit, cet Éden aussi, disons, essaie de rendre un service à Dieu sans que cela ne soit sa volonté. Du 27 novembre 65, nous sommes au parallèle 49. Donc, cette photo, je la regardais quelque chose. J'étais dans ma chambre debout, quelque chose m'a dit, tourne-la vers la droite. Écoutez maintenant, je sais bien que ça donne l'impression de quelqu'un d'un peu dérangé mentalement, mais vous voyez, comme je le disais l'autre soir, toute cette grande érudition. Comprenez bien que je ne suis pas contre ça. Souvenez-vous-en, il faut bien aller. Envoyez vos enfants étudier, qu'ils aient une instruction, et ainsi de suite. Mais je vous dis tout de suite que ça ne leur servira à rien dans le monde à venir. Parce que ça sera une autre civilisation. Toute cette, tellement supérieure à celle-ci, cette civilisation n'aura
même pas les écoles n'y seront pas. Amen. La mort n'y sera pas. Amen. Alors, on ne peut pas aller tricher à l'école pour la nouvelle civilisation ici. Là, il n'y aura pas d'école. Cette civilisation déjà là, ça chevauche. Si vous comprenez, c'est un mystère. La mort n'y sera pas. Le péché n'y sera pas. Celle-ci, elle emporte toutes ces choses. On a beau à être à la pointe de la civilisation. La mort continue à s'ajouter à la mort. Vous voyez? Celle-là, elle ne connaîtra pas la mort. Mais maintenant, il nous faut, ce frère Branham, aller à l'école. Parce que les autres, avec cette citation, ils n'envoient pas les enfants à l'école. Et les enfants deviennent des idiots. Il ne sait même pas parler le français. Lui trouve ça bien. Bon, pour les seuls, c'est pas mal. Hein? Mais si tu veux que ton enfant commence, quand les autres parlent en français, il commence à... maman. Bon, il ira au ciel, il est sauvé. Mais si c'est ce que tu veux, c'est ton choix, tu es libre. Frère Branham était un équilibriste, je ne l'avais pas dit. Soyez équilibré, ne soyez pas extrémiste. Voilà, lui-même, il dit que ça ne sert à rien, il dit, mais il nous faut, presque une obligation, aller à l'école. Il nous faut porter des vêtements. Il nous. Ce matin, j'allais parler de l'Éden de Satan. Beaucoup d'entre nous, vous avez cette bande, l'Éden de Satan. Il a fait un nouveau jardin d'Éden. Ah, c'est dans lequel plutôt nous sommes, le monde actuel. C'est un jardin. Et il a mis 6000 ans à l'établir. 2000 ans Noé, 2000 ans Jésus, 2000 ans en ce temps. Ça fait combien? Satan était en train de déformer depuis là. Et quand Dieu a créé Adam, il a placé à la terre, c'était pour cultiver la culture de l'Éden. Comme a dit un ministre que j'aime bien, Bruno Antoine, la culture de l'Éden et la garde de l'Éden. Les arbres là, c'était les hommes. Ils devaient les cultiver, les éduquer. Maintenant, ici, dans cet Éden, voilà, le diable, lui aussi, il vient déformer avec la télévision, avec les films, n'importe quel film, avec tout ce que vous suivez là. Comme Dieu pour les siens, il a mis 6000 ans. Au commencement, Dieu a fait son Éden et Satan l'a corrompu. Maintenant, Satan a fait son Éden à lui. Ah. Il y a des arbres, c'est un jardin, oui, les hommes. Ce sont des arbres. Et l'arbre de vie là-bas, c'était un homme. Amen. Si l'arbre de vie était un homme, les autres arbres étaient des préfigurations d'hommes. D'accord. Maintenant, Satan a fait son Éden à lui. Et Dieu va les détruire. Amen. Et il mettre les siens. Quelque chose m'a dit, tourne ça à droite. Il parlait de la photo de la nuit. La photo de la nuit, quand ça vient, c'est le juge suprême qui vient détruire l'Éden de Satan. Amen. Et le monde entre dans un chaos. Mais il y a la petite épouse pour le grand jour qui s'élève. Avec un nom nouveau, avec une adoration nouvelle, pour un royaume éternel. Amen. Alors que le jugement frappe les têtes de Satan, Dieu de notre côté fait surgir une nouvelle civilisation. Amen. Une civilisation divine avec la parole de Dieu. Amen. Avec un comportement nouveau, amen, avec une nature nouvelle. Amen. 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 C'est pourquoi le monde actuel, frère Branham dit, dans la présence de Dieu, non reconnu. Nous sommes le 18 juin 64. Le monde actuel, c'est terrible. Il y a des courants Zinza. Les Indiens. Et les générales là qui font des coups d'État. Les gens meurent pour rien. Et la communauté internationale qui parle, non, maintenant mettez la paix.
Quel monde? Les gens sont dans quel monde? Les gens sont devenus des cochons, on les tue comme rien. Les islamistes qui coupent la tête des gens comme ça. Cette civilisation, l'Éden de Satan est foutue. Nous sommes à nouveau dans un nouveau chaos. Un chaos. Les homosexuels qui marchent nus dans la rue, hein, tout un défilé sur des vélos nus. Mais ça, c'est quel monde? Frère Branham disait, oh Seigneur, dans quel monde je vais laisser ma petite Becky et ma petite Sarah? Dans quel monde? Quel monde? Frère Branham dit là, dans la présence de Dieu, dans Jérémie 137, je me demande si tout homme dans son bon sens pourrait renier que nous vivons dans une génération méchante et adultère. Alors que les homosexuels, la perversion et le taux de divorce en Amérique est le plus élevé qu'en aucune autre nation dans le monde. Tu te maries, ici, ce n'est pas pour divorcer. On se marie pas pour divorcer. Tu te maries, tu divorces comment? On n'a jamais eu ce communion, on risque de l'excommunier. Tu vas laisser la soeur pour qu'elle aille. Oh, t'es ma soeur qui est erreur, pasteur, tu vois. Ah! Nous fêtons, nous mangeons, nous buvons. Et puis après, tu viens nous dire que toi, la soeur est bah, bon, ça, c'est un cadeau. C'est de l'escroquerie? C'est un fléau. Il dit les divorces. Et continuez dans l'église. Pour, je vais vous dire une chose. Il n'y a aucune raison qui peut permettre à un fils de Dieu et une fille de Dieu de se séparer. Aucune. Je dis aucune. Quand c'est aucune, c'est aucune. Il n'y en a pas. Oh, il a dit, il n'y en a pas. Elle est toi, chez lui. Sa bêtise, c'est ta bêtise. Ah, c'est le gars, on le dit à vous, nous avons vu le lien de nos tablures. Quand les écritures vont commencer à sortir, vous voyez les pasteurs, ils sont acclimatés. Des fois, je vais me dévancer. Ah, il ne tombe plus. Des écritures, des citations. Tout ça pour divorcer. Faites attention. L'Éden de Satan. Le taux de divorce en Amérique est le plus élevé qu'en aucune autre nation dans le monde. Et le monde entier est entré dans un chaos. Dans un quoi? Chaos. Voilà, nous sommes encore dans un chaos. Amen. À cause de cela, le 3/4 presque. Le 3/4 presque sont divorcés. Partout. En considérant la chose entière en 10 ans de mariage environ. Basalika a 10 ans de divorce. Oh. Comment ça? Si vous vous 10 ans, c'est beaucoup. 3 mois. Divorce. Oh. Mais oui. Voilà, on dit, voyez-vous? Pensez à cela. Divorcer, c'est remarier. C'est remarier. Divorcer, c'est remarier. On fait le choix une seule fois. Et c'est pour la vie. Dès qu'on te pose la question, c'est ça ton choix, mon frère. C'est ça. Dès que vous faites les vœux, c'est tout. C'est tout. Ne venez plus nous expliquer quelque chose. Vous allez nous expliquer. C'est ça le chaos. Frère Branham dit, nous sommes encore dans un chaos total. Dans la puissance de Dieu pour la transformation. Du 11 septembre 65, paragraphe 73, il dit ceci. Et maintenant, qu'est-ce que cela a fait? Cela est de nouveau monté en graine et ça a amené le monde entier par un tas d'hybridations.
des perversions de la semence originelle de Dieu à un autre chaos ténébreux. Mais je suis suzerain que Dieu se souvienne à nouveau de nous. Amen. Qu'il puisse encore modifier le cours des choses. Amen. Il a promis qu'il le ferait et qu'il appellerait un petit troupeau. Amen. Qui serait son épouse. C'est ça le royaume Branham. Le royaume Branham est un royaume qui sort d'un chaos. C'est comme le chaos de Genèse 1. Amen. Que Satan a ramené à Laodicée et maintenant le chaos doit être ôté. C'est ça. Nous sommes retournés dans Genèse 1 avec ce message. Vous êtes avec moi? Le retour, une nouvelle création. Le chaos là est symbolisé dans le son de Junior Jackson. Lisons, monsieur, est-ce le signe du temps de la fin? 129. Puis il a ajouté, vous avez ensuite ramassé quelque chose qui se trouvait comme à l'air. Quelque chose semblable à un levier ou à un pied de biche, n'est-ce pas, frère? Quelque chose comme cela, un pied de biche très affilé. Et vous avez dit, comment vous l'avez fait, je ne sais pas. Mais vous avez frappé le sommet de cette montagne, l'avez coupé tout autour, et vous en avez soulevé les capuchons. Elle était en forme de la pyramide, et vous avez complètement détaché le sommet. Et c'était de mois et de mois et de mois avant que le message sur la pyramide fût prêché. Et il dit, là-dessous se trouvait de la pierre blanche. La pierre blanche dans un capuchon. Vous êtes avec moi? Amen. Écoutez. Et vous avez dit, le soleil ou la lumière n'a jamais brillé là-dessus. Alors, s'il n'y avait pas la lumière, c'était dans le noir du capuchon. Mais au milieu de cette confusion, au milieu du capuchon, il y avait quelque chose, une semence qui était déjà là, provenant de la civilisation du chaos. De la civilisation actuelle. Amen. Vestige de la civilisation du chaos. Amen. Qui était là. Mais caché, couvert par un capuchon. Le ténèbre. Le ténèbre. Écoutez. Écoutez, frère Branham. La lumière n'a jamais encore brillé là-dessus. Venez regarder, observer ceci. Écoutez, c'est vrai. Car à la formation du monde, celui-ci, le monde actuel, fut formé avant que la lumière existe. Nous le savons tous. Ah, vous voyez, quand il parle de la pierre fêtée, il parle d'une nouvelle civilisation. Un nouveau royaume qui commence sur la terre. Et si vous êtes de la pierre de fête, vous êtes dans un nouveau royaume. C'est une nouvelle création. C'est quelque chose de nouveau. Mais qui est vestige d'une civilisation passée. Qui est dans le camp. J'espère que vous comprenez. C'est vrai car à la formation du monde, celui-ci fut formé avant que la lumière existe. Nous le savons tous, Dieu se mouvait au-dessus du son. Et alors, au commencement, il parla pour que la lumière vienne. Naturellement, que là-dessous, dans l'âge de cette formation, la lumière n'était jamais venue sur cette pierre. Amen. Une pierre qui préexistait. Mais qui n'avait jamais reçu la lumière, nous sommes de retour en Genèse. La terre était informe. Mais dans cette terre, il y avait quoi? Des semences. Une semence prédestinée. Il faut maintenant quoi? Qu'est-ce qu'il manque? Que la lumière soit. Amen. Que la lumière soit.
pour ôter les capuchons et que la prière soit vue. Que la lumière soit. Oh! Un autre. Nous avions besoin, la terre entière avait besoin d'un autre, que la lumière soit. En ce temps de la fin, il fallait un autre, que la lumière soit. Et Frère Branham prêche dans un homme. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Pourquoi allumer la lumière? Parce qu'il y a le chaos, parce qu'il y a les ténèbres. Et en ce temps de la fin, mon frère, ma soeur, il y a un homme qui doit allumer la lumière. Un autre, que la lumière soit. Lisons, il y a un homme qui peut allumer la lumière. Nous sommes au paragraphe 265. Prêché le 29 décembre 63. J'aime cette histoire. Il y a quelques années, un homme racontait ici qu'il était dans le Nouveau-Mexique. Toujours nouveau. Parce que c'est une nouvelle création, on ne sait pas. J'ai tenu des réunions là, près des cavernes du Carlsbad. Vous en avez entendu parler. Ça est grande. Ils ont pris un homme, sa femme et une ribambelle d'enfants. Ils ont pris l'ascenseur et sont descendus jusqu'au fond du gouffre de l'abîme. Ils montent dans l'ascenseur. Bakoum Koukita. Il descend jusqu'au fond du gouffre. Et c'est ça, le monde actuel. Frère Branham ne prend pas une histoire au hasard. Jusqu'au fond, hein? Le chaos. Et lorsqu'il fut arrivé là, on a éteint toutes les lumières. Et lorsqu'il fut éteint toutes les lumières, il faisait noir comme à minuit. Et au temps de minuit, on cria, voici le que la lumière soit. Et il n'y a que les semences qui vont naître. Les pierres ne vont pas naître. Ils vont rester dans les ténèbres des Pentecôtes, des méthodistes et des presbytériens. Ils vont mourir dans la tombe de Jésus n'est pas venu, dans la tombe des tonnerres non révélés. Ils vont mourir dans leur tombe. Il dit ceci. J'ai demandé qu'on fasse cela ici dans ces jardins. Une fois, dans le Colorado, ma femme et moi, là nous étions là et ils ont allumé la lumière. Oh, oh là là. Et vous pouviez mettre votre main comme ceci et ne rien voir. Et puis ça tenait loin. Il y avait là une fillette qui se tenait là. Elle s'est mise à crier. Oh, tellement qu'il faisait noir. C'était affreux. Le feu. Ah! Elle criait. Elle avait terriblement peur. Tellement il faisait sombre. La pauvre petite s'agrippait partout. Et essayait de crier, de réclamer son papa. Et ses mamans de tous côtés, sa maman de tous côtés. Elle ne pouvait pas supporter cela. Il faisait tellement sombre. Elle n'avait jamais vu une telle obscurité. Et il en est ainsi aujourd'hui. Amen. C'est vrai. Il fait si sombre que vous ne pouvez pas savoir où aller. Que vous allez chez les méthodistes, chez les baptistes, chez les presbytériens. Permettez-moi que je mette la parenthèse. Les Jésus n'ont venu. Oh, Jésus est venu, s'est arrêté au ciel. Les tonnerres n'ont révélé. Oh, pendant que Dieu c'est du diable, qui vous dit ça? Qui vous dit ça? Il dit, chez les baptistes ou chez les presbytériens, c'est pareil partout, obscurité. Gouffre, les dents de Satan. Gouffre, chaos encore. Amen. Et cette petite fille, cette aimée-là, cria à tue-tête. Sur le point de faire une crise de nerfs. Un peu comme la petite épouse. Amen. Un peu comme la petite épouse. Qui est épouse ici? Nous tous, nous sommes les membres de cette épouse, n'est-ce pas?
On était perdu. J'étais perdu, si loin de Dieu, errant dans le ténèbre. Mais la Bible dit qu'au milieu de la nuit, une voix crie. Ça sera un jour qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Que la lumière soit. Vous voyez, est-ce que vous comprenez la portée du message de Frère Abraham? Est-ce que vous voyez, là, je suis en train de placer le royaume dans la lumière. Sortant d'un chaos, comme dans Genèse, une nouvelle, c'est, il y a une tune, c'est une nouvelle civilisation. Écoutez, un peu comme la petite épouse, mais vous savez quoi? Son petit frère s'est écrié, disant, petite sœur, n'aie pas peur. Puisqu'il s'est trouvé près de l'ingénieur, il a dit, il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. N'aie pas peur, petite sœur. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Il peut faire vivre cette parole. Nous ne savons pas comment. Quand il vient, je ne sais rien à ce sujet. Mais il est là. Il peut allumer la lumière. Comment allons-nous sortir de là? Je n'en sais rien. Mais il est là. Et il est celui qui peut allumer la lumière. Certainement. C'est lui la personne. Il est la lumière. Il se fait simplement connaître. Voilà la lumière. Il est la lumière. Et allumer la lumière, c'est se faire connaître. Comme je dis que la lumière soit, c'est la révélation de la parole. Quand il se fait connaître, c'est la lumière. Alors le septième sceau vous montre qui il est, sa nature, son être. Ça allume la lumière. Ça révèle Dieu au monde. Il est la lumière du gouffre qui s'allume dans le noir du chaos, là où il s'est. Oui, il peut faire vivre cette parole. Nous ne savons pas comment. Quand il vient, je ne sais rien à ce sujet. Mais il est là. Et il peut allumer les lumières. Comment allons-nous sortir de là? Je n'en sais rien. Mais il est là. Il est celui qui peut allumer les lumières. Certainement, c'est lui la personne. Il est la lumière. Il s'est fait simplement connaître. C'est ainsi qu'il allume la lumière. Amen. C'est tout à fait exact. Il faut que Christ fasse jaillir ses lumières. Ah, cette personne, c'est Christ. Et alors, toutes les ténèbres se dissipent. Il opère la séparation. Il arrache cette petite épouse. Je prendrai un peuple d'entre les nations à cause de mon nom, qui portera mon nom. Quel est son nom? Quel est son nom? Très bien. Pas méthodiste, baptiste, presbytérien, luthérien. C'est Jésus-Christ, c'est vrai. Il est la lumière, la vérité, la lumière. En lui, il n'y a pas de ténèbres. Quand il vient, il dissipe les ténèbres. Car il est la parole. La parole est la lumière, c'est juste. Car il a parlé et dit... Que la lumière soit. Un autre que la lumière. Amen. Il dit. Oui. Ce fut la parole qui devint lumière. Quand il prononce ces paroles, c'est chaque fois la lumière pour l'âge. Maintenant, il est là dans... Non dans une lumière, les gens vivent dans une lumière, mais il est là, parole confirmée. Il est vraiment la lumière en temps de ténèbres, certainement. Toutes ces lumières fausses et autres choses vont disparaître, certainement. Il est là, ne craignez rien, allumez la lumière. Sa parole promise, elle est vivante, elle fait. C'est lui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il le fera aussi. C'est donc la parole. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie.
Les pères qu'il a envoyés vint en lui. Le Jésus qui vous envoie vient en vous. Amen. Et il fait les mêmes œuvres qu'il fit alors. Pourquoi? La parole est faite chair dans une chair humaine, s'est manifestant comme étant la lumière du jour. Amen. La lumière du jour, c'est la parole faite chair. Alors que le chaos du gouffre est venu, nous sommes retournés à la terre informe et vide. Par l'acte de la déformation de Satan, il a déformé encore. Nous sommes rentrés. Mais gloire à Dieu, il y a eu un autre. Que la lumière soit. Amen. Que le Branham soit. Que le royaume Branham vive. Amen. C'est grave. Voilà mon embrassant le royaume. Regardez là où le royaume est. Dans la lumière. Dans la lumière. Une nouvelle civilisation. Ouais, un changement radical. Le chaos est resté avec les dénominations, le nom ancien Jésus. Tous les noms anciens. Testé. Un autre qui a la lumière soit. Frère Branham dit, c'est la parole faite. Oui, la pierre qui était sous les capuchons. Il fallait, le soleil, la lumière n'avait jamais touché. Il fallait qu'un homme soit gravé là. Et les anges ont pris fort là, hein, l'ont gravé là, la lumière. Et la création a commencé. Voici le premier jour. Cette fois-ci, c'est le premier jour éternel. Le jour grand. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Voici des temps nouveau. Chantons gloire à l'agneau. Le grand jour, le jour du royaume Brana. Une vie nouvelle, une parole nouvelle, une sanctification réelle, une justification réelle. Amen, amen, amen. Pas de faux semblants, pas de l'hypocrisie. Non. Sinon, tu seras anéanti. La lumière, c'est un homme. Amen. Amen. Regardez, nous sommes dans Matthieu 4 et 12, avant de terminer, à 16. Jésus ayant appris que Jean avait été livré, nous rentrons chez Jésus. Se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth, voilà la lumière. Il vint demeurer à Capernaum. Quand il a appris que Jean a été arrêté, Jésus a quitté. N'est-ce pas, il fuyait. Il fuyait vraiment. Hein? Il se retira dans la Galilée. La Galilée, c'est pas bon, il va la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des Gentils. Ce peuple assis dans les ténèbres, dans le chaos, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Amen. C'était un monsieur marchant avec une barbe qui est venu tout simplement dans une ville et la Bible dit la lumière s'est levée et la génération actuelle on vient chasseur des écureuils. Amen. Dieu en costume et en cravate, Dieu en bleu de jean et en borsalino, quand il descend sur la terre, c'est que la lumière soit la lumière de nouveau sur la terre. Encore une fois, une nouvelle création. Amen. Amen. Un nouveau commencement. Nous voici dans un jour nouveau. Voici un jour nouveau. Le soleil s'est levé. La lumière jaillit. C'est la promesse du soir. Le soleil s'est levé. A promis à ta vie. Amen, 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 un jour nouveau. Est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur Branham? C'est un jour nouveau. C'est un jour nouveau.
un jour révolutionnaire, un jour qui nous introduit dans une nouvelle vie, un jour autre, un jour de guérison. Voici le jour nouveau, le soleil s'est levé, la jaillit, c'est la promesse du soir, le soleil s'est levé, a promis à l'heure. Le peuple habitant dans les ténèbres de Zabulon, dans l'ombre de Zabulon, ils ont vu soudain apparaître une grande lumière. Amen. Cette lumière, ce n'est pas que la tête de Jésus brillait comme une ampoule. Les gens pensent qu'il était la lumière quand il marchait, Moutou les avait gagnés. Non. C'était un homme naturel. Il fouillait, il avait fouillé, il était en fuite. Il a fui la mort des gens. On a dit, il pensait qu'on allait dire, mais en fait, celui qu'on a dégagé, il avait présenté un autre prophète quelque part. C'est qui? Oh, cherchez-le au sommet de ce texte. Alors, dès qu'il a appris, un homme en fuite, mais il est la lumière. Dans son refuge, il amène la lumière dans une cité. C'est un jour nouveau. Et l'espoir de Zabulon était cet homme-là. Et le monde était dans un jour, ni nuit. Mais notre espoir de cette génération, qu'Obama le sache, que le président de la Russie le sache, le monde entier doit le savoir, que William Branham est venu sur la terre. Il a marché en bleu de Dieu. L'Elohim créateur de la jeunesse. Dieu dans la chair humaine. Les responsables de la Bible. Il a marché sur cette terre. Mais on ne le reconnaît pas. La lumière pour un jour nouveau. Le royaume Branham qui est introduit. Amen. Lisons encore. On va s'arrêter bientôt peut-être en lisant cette écriture. J'ai voulu placer. Lisons rapidement encore. Il y a essayé un homme qui peut allumer la lumière. 279. À partir de 279. Il y a essayé un homme qui peut allumer la lumière. Ceux qui sont assis dans les régions de l'ombre de la mort. Suivez-vous qui avez des problèmes. Les uns ayant les cancers. Les autres morts dans les dénominations. Les autres morts dans les credos, les autres morts dans les traditions et toutes sortes de morts. Ils ont vu une grande lumière. L'homme qui a fait jaillir la lumière est donc le même qui a dit au commencement que la lumière soit. C'est William Branham. C'est le même. Amen. C'est le Dieu de la jeunesse. Le même qui a commencé cette vieille création mourante. C'est le même qui commence le granit blanc, la nouvelle création. Le même, les frères. Vous voyez à quel rendez-vous vous êtes? Vous êtes au rendez-vous avec Dieu? Oui, c'est vrai. Vous êtes comme vous êtes dans Genèse 1. Et vous voilà là dans Genèse 1, avec un nouveau jour. L'éternel est restauré. Nous y voilà. Mais avec le vol, avec la maladie, non. Avec la pauvreté, non. Écoutez. Les uns ayant le cancer, les autres morts. Dans la dénomination, les autres morts dans les crédits, les autres morts dans les traditions, et toutes sortes de morts. Ils ont vu une grande lumière. L'homme qui a fait jaillir la lumière est donc le même qui a dit au commencement que la lumière soit. C'est Dieu qui demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est Dieu qui demeure le même hier, aujourd'hui, éternellement, est ici aujourd'hui. Ici même, maintenant. Écoutez, frère Branham. N'ayez pas peur. Il peut allumer la lumière. Lorsque la persécution viendra, n'ayez pas peur. Voici une lumière qui dit qu'il enlèvera son peuple, l'épouse ne passera pas par la tribulation. Pas du tout. C'est ce qu'il a dit.
le coup sera enlevé. Frère Branham, comment ferons-t-on? Tout semble terriblement sombre. Peu importe combien il fait sombre, même si vous ne pouvez pas voir votre main devant vous, rappelez-vous tout simplement qu'il y a ici un homme qui peut allumer la lumière, qui peut enlever cette église. Amen. Un homme qui enlève l'église. Un homme qui est là, qui enlève l'église. Vous dites, eh bien, je suis juste, oui, Shadrach, Meshach et Abednego se dirigeaient tout droit vers la fournaise ardente. Mais il y avait là un homme qui pouvait mettre la ventilation en marche. Certainement, ce vent impétueux qui souffla les jours de la Pentecôte, il est mis de nouveau en marche afin d'éloigner de toute cette brise tous ces feux. Il y avait là un homme, on l'appelle le quatrième homme. Il y a un homme ici aujourd'hui. Il est l'unique. Frère Branham dit, alléluia. C'est lui qui tient le commutateur dans sa main. Et une grande lumière a jailli sur ceux qui sont dans les régions de l'ombre et de la mort. Ne les rejetez pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a jamais cru à Abraham comme son Dieu sauveur? S'il est là aujourd'hui, qu'il sache qu'il doit accepter où il est Abraham comme son Seigneur et son sauveur. L'homme qui peut allumer la lumière dans ta vie, c'est vraiment. Ne la rejetez pas. Recevez-la dans le nom du Seigneur. Tandis que nous inclinons la tête pour un moment. Amen. Allumez la lumière de Phoenix. 25 janvier 64, matin. 168. Il s'est fait que son petit frère s'est trouvé là. Il cria dans l'obscurité et dit, n'aie pas peur, petite soeur. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Frère Branham dit, alléluia. Qu'elle va faire la petite église? Ne t'inquiète pas. Il y a ici aujourd'hui un homme qui peut allumer la lumière. Cet homme, c'est qui, frère Branham? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oh, oui, le Seigneur Jésus-Christ. C'est frère Branham qui dit ça. Amen. S'il est le diable, c'est le diable qui allume la lumière. Mais nous savons que le Seigneur Jésus-Christ a un nom nouveau, a une forme nouvelle. C'est lui qui est là, en train d'allumer. Pourquoi? C'est pour commencer un autre éveil. Le royaume. Il dit que l'homme qui allume la lumière, c'est le Saint-Esprit. Au paragraphe 72, allumez la lumière. Je n'ai que 15 minutes avant l'heure d'aller à la prochaine réunion. Vous venez vous lever la main et dire, Dieu, allume sur moi la lumière ce matin. Je crois la parole, je crois la mécanique. Mets la dynamique en moi, Seigneur. Lève vos mains et poussez les cris vers lui. Seigneur, allume les lumières. Il y a ici un homme qui peut allumer les lumières. Nous sommes morts dans les communismes et rongés par toutes sortes de gelecs, des organisations. Mais il y a ici un homme qui peut allumer les lumières. Cet homme-là, c'est le Saint-Esprit lui-même. Amen. Jésus-Christ manifesté sous forme de l'Esprit. Amen. 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 Ah, c'est celui qui allume la lumière. Je vais gérer la troisième partie. Du 4 avril 64. Nous sommes parlés à 186-187. Il dit, ne sois pas effrayé. Il y a ici un homme qui peut allumer les lumières. Il y a ici un homme qui peut allumer les lumières. C'est Jéhovah Jiré. Amen. Vous voyez, il y a ici au milieu de nous ce soir. C'est un homme, virgule, le Saint-Esprit. Il peut allumer la lumière. Il est la parole. Un homme ici qui peut allumer la lumière. Je ne sais pas comment il va le faire. Ce n'est pas à moi de le savoir. Mais il sait comment actionner l'interrupteur. Il a fait la promesse. Il a fait là-bas. Lorsqu'Abraham avait son couteau au-dessus de la gorge de son fils, il alluma la lumière. Oui.
Il peut encore allumer la lumière ce soir. Cet homme-là, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est qui? Nous sommes, y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour le Seigneur? Paragraphe 33. Oui, ça y est, je vais tourner mon dos à cette assistance pour vous faire savoir que le même ange qui était là à Sodome, celui qui donna ce signe en ayant son dos tourné, est le même ange qui est ici ce soir. Il ne s'agit pas de votre frère, il s'agit de votre Seigneur, virgule, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est celui qui vient allumer la lumière. Amen. Pour commencer la nouvelle création. Pour commencer le nouveau royaume. Il dit que celui qui allume la lumière, c'est le Christ vivant, faisant vivre sa parole. Nous sommes allumés la lumière 171. 171. Allumez la lumière. Toujours le 5 janvier 64. Ne regardez pas au reflet de ces organisations. Mais comprenez-vous plutôt à la parole. Elle vous conduit à la lumière. Ne craignez pas, petite sœur. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Il y a ici un Christ. Il y a ici qui? Un Christ. Un Christ qui peut faire vivre sa parole. Exactement comme il le faisait alors. Confirmer lui-même qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Croyez-vous cela? Amen. Amen. C'est qui cet homme qui est le Saint-Esprit? Frère Branham, c'est lui le créateur de la Genèse. Amen. J'ai entendu, mais maintenant j'ai vu. Paragraphe 182. Dans la Bible, vous avez entendu parler de ce qu'il a fait. De la femme qui avait touché son vêtement. Il s'est retourné et lui a dit quel était son problème. Et que sa foi l'avait guéri. Maintenant, il a promis qu'il ferait de nouveau cette même chose. Juste avant que le monde soit brûlé et que le monde serait alors dans un état comme celui de Sodome. Le Nouveau Testament. Le prophète. Le prophète Dieu. Le prophète de prophètes. Le Dieu de tous les prophètes. La plénitude de la divinité corporellement. Dieu manifesté dans une chair. Virgule. Le créateur de la Genèse. Alléluia. C'est sa parole à lui. Amen. Il dit alléluia. Amen. Le créateur de la Genèse, comme il a créé la Genèse, que la lumière soit, il vient ici, à la terre de fête, il recommence la Genèse, il dit encore que la lumière soit. Et nous sommes dans la nouvelle civilisation. Mais avec quelle vie? Vraiment. Avec quelle manière? Voilà, c'est ça le fondement de notre enseignement. On a placé le royaume là où il doit être. Vous avez vu là où nous sommes. Il y a un divorce avec l'ancienne création. Les manières changent, frère. Le créateur de la jeunesse, Dieu fait chair au milieu de nous. On n'a pas besoin de les rencontrer derrière une chambre. Il s'est déjà manifesté, il a accompli toutes les écritures. Quand il se manifeste, il accomplit toutes les écritures. Quand on peut les rencontrer, la chose, c'est pour qu'elle écriture. Parce que tous les mystères sont accomplis quand il est manifesté. Alors vous venez les rencontrer, ça c'est une expérience. Si tu veux les rencontrer, vous rencontrez Diabolo. Vous voyez ça? Les créateurs de la Genèse, nous sommes là. Et maintenant, c'est ce royaume-là. Ce royaume n'a pas de mélange, mes frères. Non. Ce royaume n'a qu'un seul roi. C'est Branham. Et nous tous, nous sommes des rois. Nous sommes les ministres, sont seulement des sacrificateurs. D'ailleurs, tout le monde est sacrificateur. C'est le royaume des sacrificateurs. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde est ministre. Oui, oui.
Amen. Amen, amen. Nous sommes dans un royaume de... Tout membre de ce royaume est sa... Mais Frère Branham dit, dans le royaume, toutes les étoiles ne brillent pas de la même manière. Il y a des étoiles qui brillent un peu plus fort. Et il y a des étoiles qui brillent de manière réduite. Maintenant, l'étoile qui brille de manière réduite ne va pas être jalouse de l'étoile qui brille comme le soleil. Pour dire, il y a pas de soleil. Là, tu es dans le royaume qui est détruit. Dans le royaume Branham, il n'y a pas la jalousie. Dans le royaume Branham, on appuie l'excellence. Amen. On soutient l'excellence. Parce que tout ministère est au service du royaume Branham. Et cela n'appartient même pas au détenteur du ministère. Le ministère d'évangéliste n'appartient pas à l'évangéliste. C'est le ministère de Dieu pour le corps. Amen. 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 Toi, tu as fait ta lampe torche. Tu as réuni. Quelqu'un vient avec un projecteur, tu te fâches. Non. Parce que ta lampe torche ne fera plus rien. N'est-ce pas? Quand le boum. Bon, ma caca, il y a un estimat projecteur. Alléluia. Amen. Mais Ayo, comment la lumière là où il souffrait? Et comment elle souffrait? Papa, bon mal en gros, il y a un instrument qui va la projecteur. Quand t'as un bon la malade, il y aura. Il y aura la poche. Il y a un compensateur, je m'en ai ma casse. Hein? Quand t'as pas, c'est ça? Dans le royaume, il y a complémentarité. Ta lampe torche va agir quelque part. On ne minimise pas ça. Quelque part, tu verras qu'il n'y aura pas de projecteur. Ça agit. Celui qui avait la bougie doit faire quoi, son mal? Éteindre sa bougie. Et il se met derrière ta lampe torche. S'il reste seul avec sa bougie, ah non, il y a la moto à bougie. Papa. Tu as la torche à moi? Non, 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 pas torche, non, pas torche, non. La jalousie. Dans le royaume, il y a complémentarité. Chaque homme a un rôle. Et il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Et la lumière, c'est William de Manard. Nous sommes au nouveau commencement, nouveau genèse pour le royaume Branham. Et dès là, nous n'allons pas continuer là. Le vendredi, nous allons encore faire marche arrière. J'essaie de résumer un peu. Nous allons faire marche arrière avec le royaume à partir de Noé. On va voir maintenant comment, à partir de Noé, Dieu a commencé à constituer le royaume. Jusqu'à arriver encore là où nous sommes arrivés aujourd'hui. Et nous allons clore pour aujourd'hui que le Seigneur vous bénisse. Amen.